Et par contre, vous vous retrouvez sans aucun bonus. Aucun bonus de vitesse, aucun bonus de tir, et ainsi de suite. Conséquence directe. Vous vous mettez généralement à mourir beaucoup plus facilement. Du coup, vous reperdez une vie. Et ainsi de suite. Ou alors, si vous voulez quelque chose d'un peu plus graduel, vous avez par exemple... je sais plus si c'est dans Dark Souls ou dans Demon's Souls que vous perdez un pourcentage du max de points de vie de votre personnage. À chaque fois que vous mourrez. Tant que vous n'utilisez pas ensuite un objet pour retrouver votre max normal. La réaction négative de base. Tu meurs, t'as moins de PV, tu meurs plus facilement, t'as moins de PV, tu meurs encore plus facilement, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous arriviez à sortir de cette boucle-là, soit par vous-même, avec vos compétences, soit grâce à une mécanique du jeu prévue pour ça. Type redevenir humain, enlever la malédiction, peu importe. Et ça se passe plutôt pas mal. Je crois pas que j'oublie de faire la prière, mais vu qu'on est en infini, on aura un peu plus de temps pour faire ça. Donc pas la peine d'arrêter le combat pour ça. On est quasiment. Cool. Tomoyo, shōri o tatae yo. Bon, ça s'est très bien passé. On a pris quelques coups quand même, mais et globalement ça va. On a fait 5 étages, on va bien sûr en faire 5 de plus. Et pour ce faire, nous allons aller dans la salle du Nord. Ce qui nous donne un petit peu plus de temps pour boire, par exemple. Ensuite, 6ème étage. Un Astraptex. Pas pour ça. J'arrive pas à le choper. C'est bon. Ok. Oh oh. Mal. Ah, c'est pas zone de soin, c'est cool. Aïe, ça fait mal. Ok. Ça, on l'arrête. Ça me file un Oni Burial, c'est cool. Je récupère ma vie. Ok. Je peux encore lui prendre ça. Maintenant oui. Super. On est bien là. Reviens ici, petit sagouin. Le mec qui marche. Nice. Il reste un tiers à peu près.
Excellent. Oh oh. Merci, le bouclier. J'ai vu que c'était une AO, j'étais pas sûr que ça me... Oh la vache. J'étais pas sûr que ça me protège le bouclier, mais... visiblement, ça a très bien fait son taf. Et du coup, je sais pas si c'est le cas de toutes les AOE ou pas. Peut-être que ce soit considéré comme un dégât qui vienne de face. Si c'est le cas, c'est bon à savoir. Cruspices. Bonjour. Oups, c'est pour ça que je voulais faire. Voilà, slot. Ok, j'ai un autre Burial qui sera prêt pour son évolution. Voilà, l'esquive. Oh, la barre de weapon, qui augmente. Un stop. J'ai loupé. Ah non, il l'a comptabilisé. Oh, ils sont gentils. Merci beaucoup. Bientôt un nouveau destroyer. Le Burial, on le rappelle, quand j'en fais un vraiment, c'est-à-dire que j'enlève définitivement une partie du ennemi en face. Ça revient à regagner derrière 50% de ma weapon gauge. 50% max, hein. Et si je suis à 15%, j'arrive à 65%, bref. De remplissage. Et ça, c'est merveilleux, bien sûr. Je fais un petit soin parce que il n'y a quand même pas des bêtes. Aïe. Ouais, très bien. Il est presque. T'es mort avant que j'arrive, mais très bien. Huitième étage, nous voilà. Nous arrivons. Ok, c'est du vert. Ça commence déjà, visiblement. On va faire ça.
Nice. Ça va, ça n'a pas fait très mal. Il a eu. Ok, pour rebalancer un destroyer derrière. Très bien. Allez, c'est la fin. Puisqu'il reste en vie, je vais pas faire mon destroyer. Tomoyo, shōri o tatae yo. Très bien. Neuvième et avant-dernier étage de cette expédition. Des contre quoi? Ah, un Brood Beast. Brood Beast, c'est vrai que je m'attendais à le voir dans War, pas ici. Alors je lui pète un pied quand il évoluera. C'est agité. Il sauve clairement. Et on est où l'envie? On va voir si j'arrive à garder mon burial si j'utilise par erreur. Le mec roule à l'autre bout de la terre. On va faire le onslaught.
a récupéré son bras, je crois. Je suis pas sûr, mais il me semble que j'ai vu. Ah non, il l'a pas eu. Enfin, je sais pas, j'ai vu tomber dans le sol le bras, du coup je pensais qu'il l'avait récupéré, mais. Visiblement, non. Nice. C'est bon. On est sécurisé. Ça reste un bon opposant, mais. On est clairement sécurisé par rapport à ce qu'il est capable de faire. Slow qui est up. Oh, avec tout ce que j'ai mis, il y a encore que jaune. Là. Nice. Bien joué à lui. Grand chose. Ok. Dernier étage pour cette exploration, qui est la première des deux explorations en rapport avec l'Age of Grace. Ah, Mortabella ? Ouais. Bon. Ah non, Glaciabella. Glaciabella. Okay. Les Glaciabella en étage 10, j'ai un historique avec, mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Je crois que je passe à travers, mais je suis sûr. Excellent. Ah, j'ai loupé.